L'intérieur de l'église ressemble beaucoup à celui de Salégier. Le baptistère ressemble vraiment aussi au nôtre. Et là, il y a une corde qui pend pour sonner les cloches. Mais on n'ose quand même pas sonner, hein. Les gens de Saint-Léger, l'Esparret, sont venus avec une caravane. Une vieille maison avec une vigne. Et voilà la mairie de Saint-Léger, le Guérétois. Et le monument aux morts. Le village compte 400 habitants. Et la plupart de ceux-ci travaillent à Guéret, dans la fonction publique. La plupart des fermes sont désaffectées. On y appose des paniers de basket. Cet arbre doit être un cyprès ou un tuya, mais plutôt un cyprès. C'est vraiment très spectaculaire. L'assemblée générale aura lieu dans la salle des fêtes. Bâtisse construite l'année passée. Le cimetière en dehors du village. Des chevaux broutent, des coucous chantent, toutes sortes d'oiseaux disparus chez nous. La paix, 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 la paix,
Je voudrais tout d'abord excuser le sénateur conseiller général du canton, absent du département, et M. Coubret, président de la charte intercommunale, qui n'ont pas pu être présents parmi nous aujourd'hui. Messieurs les maires, mesdames et messieurs, aujourd'hui est un grand jour. En ma qualité de maire de cette petite commune de Saint-Léger-le-Guérétois, je vous souhaite la bienvenue. Je suis fier de vous accueillir, vous qui avez su mobiliser tous les Saint-Légers de France et d'ailleurs. Je remercie plus particulièrement nos amis suisses qui n'ont pas hésité, en ce week-end de Pentecôte, à entreprendre un long déplacement pour nous rendre visite, assurant ainsi la promotion des Saint-Légers à travers la France et l'Europe. J'adresse mes félicitations à M. Ripoche pour cette belle initiative et l'énorme travail de recherche effectué pour retrouver les 73 communes portant le nom de Saint-Léger. Je le remercie également pour l'organisation des plus réussies du premier rassemblement des Saint-Légers l'an dernier à Saint-Léger-sous-Cholet. Soutenir l'association des Saint-Légers de France et d'ailleurs dans ses objectifs et aider à la promotion des échanges culturels, économiques, touristiques, sportifs, scolaires entre les différentes communes ayant Saint-Léger comme patronyme. Trois vues d'une exposition, créer le premier rassemblement de Saint-Léger de France et d'ailleurs. Petit à petit, les questionnaires rentrèrent. Les documents récoltés constituèrent les fonds d'une très intéressante exposition qui elle-même accompagnera le premier rassemblement. Nous étions déjà en 1996, les 25 et 26 mai. Cela faisait 3 ans que Christophe Ripoche compulsait, étudiait, classait, entassait, relançait, harcelait parfois, s'entourait des bénévoles venus d'associations amies, pour finalement offrir le superbe bouquet. On nous sert un blanc cassis ou un cuir. Je vous sers la même chose. Volontiers, oui. Oui, tiens, Dédé. Oui. Marguerite, tu veux un blanc cassis? Et moi, je... Nous visitons le sculpteur de pierre au sommet du Maupu. Il est en train de restaurer une vieille croix en pierre qui était en plusieurs morceaux. Non, voilà, on va prendre n'importe quel peur, on va prendre n'importe quel parce qu'il y a deux ans, les cols, par exemple, sont rapides en séchage. Le soleil les impère avec le temps. On tient du tard, alors on utilise essentiellement pour le final. Bon, on utilise un granit local, mais là, il y a des blocs qui sont devant, qui sont beiges, il y a un bon bout qui sont derrière. Donc, c'est des blocs, bon, ça, c'est un petit bloc qui font. Ah, mais bon. Une table de jardin. Ça, c'est de bien. Le suède. Ça, c'est une tranche qui nous reste d'un bloc qu'on avait fait rentrer. Est-ce qu'on fait rentrer des blocs Oui, il faut prendre des trucs comme ça. Ouais. Bon, c'est une machine. La machine à polir. Les coupes de biais, etc. Et on utilise un bisque. Bon, c'est tout refroidi à l'eau. Hein. Tout est à l'eau. Un bisque qui a des. Et en tête, ça dépasse légèrement. C'est le même principe que pour le cap, que là, ça en reste. Alors, des fois, on va peut-être l'occasion de. C'est surtout les Allemands qui font ça, ou les Belgiens là-bas, qui font en Abraham, je ne sais pas, vous aurez peut-être l'occasion de voir des grandes parcelles avec des boules. C'est des boules qui sont portées par 2 mm d'eau, et elles font plusieurs tonnes. Tout cet aspect est donné à la main, parce qu'avec un outil qu'on appelle une chasse et qu'on a grossi d'eau. Bon, les pierres sont prédébitées au sillage. Bon, les états de surface là sont faits au pistolet bouchardeur. Pneumatique, c'est bon, on le faisait à la main, mais bon, c'est beaucoup trop long.
Et ici, vous avez bon, les, ce qu'on appelle les corbeaux, c'est les pièces qui vont venir dessus. Une sculpture sur grès. Voilà. Et puis bon, j'ai ce... Pardon, excusez-moi. Là, j'ai ce travail bon, qui est bizarrement... C'est quand on lisait l'article lentement, bon, c'était à peu près compréhensible, mais quand on lisait rapidement, comme on lit un journal... Rapidement. Alors là... Oui. Au sommet du Mont Puy, il y a une antenne de télécommunication et à ses pieds une ancienne carrière de granit qui s'est transformée en lac. Il y a encore des immenses blocs de granit prêt à l'emploi. Il y a 50 ans, il y avait encore environ 2000 personnes qui travaillaient ici. Et ce granit était envoyé même jusqu'à Paris pour faire, par exemple, la Villette. Le cendre, ça mange tous les autres poissons. Ah oui, voilà. Il mange les autres. Il y a des belles cartes. Et là, il y a une autre... Voilà, nous sommes maintenant à l'endroit dit des pierres civières. Non, par là, non. Ah oui, non. Ah bon? Je peux passer par là. Depuis le sommet, un très beau panorama sur toute la campagne environnante. Ah là, ils disent c'est ça, ça met les qu'est-ce que c'est ça, du jambon? Le jambon du pays. Le jambon du pays, délicieux. Dimanche matin, nous avons bien dormi, mais un peu court, de 2h du matin à 7h. Et voilà notre hôtel première classe, une vraie cage à poules. Au lac de Courtille, les pêcheurs ont un concours. Et on dormit sur place. Ça se fait sur 48 heures. C'est un grand lac entouré de collines. En redescendant à Guéret,
par la route du Maupuy. Nous avons une belle vue sur la ville et le lac de Courty. Raconte pas de conneries, Dédé. Tiens. Ce matin, c'est plein de coureurs. Nous visitons le musée à Guéret. Première partie, la géologie. Il y a des mines d'or qui sont maintenant fermées, d'uranium. Du granit sculpté représentant une crèche. Il y avait aussi des mines d'étain dont on faisait des lampes à huile. De très belles vielles à roues. Une robe de baptême et un battoir à linge vers la lessive. Un lit dans une espèce d'armoire, le vaisselier. Pour illustrer la vie paysanne de la Creuse. On cultivait et filait le chanvre avec des vieux rouets. Une exposition temporaire de broderies de coiffe. D'une finesse extraordinaire, c'est brodé sur du tulle. C'est l'heure de la messe. Les cloches de l'église de Guéret sonnent. Voilà, le délicieux gâteau creusois. Le viaduc de Glenick, classé monument historique dernièrement. Il date de 1920 et permettait au train de passer. Il est désaffecté. La photo des familles. Tous les Algériens. Un repas animé. Thank you.
du lac de Courty, n'est-ce pas? Non, c'est l'étang de Courty. On en a fait le tour en trois quarts d'heure. Avec le monstre, on est là. Le monstre de Courty. Le monstre de Courty, on l'a pas vu, mais on l'a entendu. C'est celui-là, hein, voilà. Il est là. Non, c'est vrai, sérieux. Montrez-moi ça.